gozaimasu, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode numéro 14, le médaillon trouvé. Enfin, c'est le titre de l'épisode du coup, donc rappelez-vous, on vient enfin de trouver ce fameux miroir du phénix, hein, mais par contre on en avait bien bavé, enfin j'en ai bien bavé du coup, pour retrouver ce numéro de téléphone et le fameux mot de passe, puisque quand on retrouvait le phénix, rappelez-vous, je l'avais expliqué, il fallait rappeler le maître de chaîne et redonner le bon mot de passe. Donc du coup, et comme ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas fait la saga, bah forcément j'ai perdu un petit peu, hein, ce qui arrive un peu à tout le monde. Donc là, on va aller dans le repère du maître Chen, donc le vieil entrepôt numéro 8. Et ce qui est assez rigolo, regardez, si je vais voir le monsieur. I need to go to warehouse number 8. I have an appointment with Master Chen. What's your name? Dio Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. Je peux rentrer tranquille, il n'y aura pas un nouveau petit moment de... Enfin, mission impossible en quelque sorte, d'essayer de se faufiler entre les membres en question. Mais c'est vrai que c'est vraiment chiant quand il fait bien noir de chez noir. Donc là, je crois que c'est ici, voilà, c'est là. On va aller le voir, et donc du coup, vraiment, cet épisode ne va que se concentrer sur le dialogue, il n'y aura pas de gameplay. Donc vraiment, on va enfin savoir ce qui est dit à ce moment-là. Ah, the Phoenix Mirror. Yes, it's made of Phantom River Stone. Why did Landy only steal the Dragon Mirror? He probably didn't realize your father had both of them. Two mirrors. A long time ago, Zhu Yuanda once told me, when the dragon and the phoenix meet, the gates of heaven and earth will open, and Qi Yu will resurrect itself on earth. Qi Yu? It's a legendary Chinese monster that will devour this world of ours. It appears Lan Di will try to make use of both mirrors. What will he try? That even I don't know. But you mustn't allow him to get that mirror. Be careful and stay alert. If he finds that mirror, it will be the end of you. Huh? What the? Hey! Two mirrors! Landi-sama will be pleased! Oh, Hazuki, push that button! I won't forget that! Thanks. Is it the work of the Mad Angels? Mad Angels? We always have trouble with that gang. Those dirty bastards. That thing was probably connected to the Qi Yu men. The Qi Yu men? Yes, the Qi Yu men and Mad Angels are linked. Perhaps they are the ones who guided Lan Di here. So, if I find the Mad Angels, I'll find Lan Di. Nah, he's likely not here anymore. Then where did he go? Well, maybe he has already gone to Hong Kong. Hong Kong? I have a request. Request? What is it? Please help me get to Hong Kong. If so, then what? I'll find Lan Di. And then? And then he'll kill you. He's too strong. What did you say? Stop it. I must avenge my father's murder. How admirable. But you don't stand a chance. Well, if it was you, suppose your father was murdered, what would you do? Please, help me.
I'm sorry, but I can't. Let's go, Guizhang. Master Chen, please wait! You should not waste your life on revenge. Donc voilà, 22h30 passé, du coup forcément il y a peut-être qu'il va se passer un autre truc juste là, j'en sais strict rien. Mais du coup voilà, en fait Ryo veut vraiment à tout prix se venger de son père, et que malheureusement Guizhang lui fait barrage tout simplement pour le protéger, pas qu'il perde sa vie tout simplement. And Landy? Seems he left for Hong Kong. Hong Kong? Du coup, on va aller se coucher forcément puisqu'il est passé 22h30 et c'est ici qu'on va se quitter. Merci à vous d'avoir regardé ce petit épisode vraiment court, hein, je vous l'avais prévenu dans ce début d'épisode. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait énormément plaisir. Lâchez-moi un commentaire, je serai ravi d'y répondre. On se retrouve pour l'épisode numéro 15, si je dis pas de bêtises. En route pour Hong Kong, ou plutôt sur la route de Hong Kong. Sayonara Tomodachi. Raise the fucking